Moi aussi. Merci. Donc, J'ai. oui. Je suis Annie, je suis en train, je suis en train d'arrêter pour nous rappeler après, OK. voilà. Donc, pour t'informer. Alors, c'est justement Dusuba Leno, c'est notre responsable administratif de chez Fed. Elle a accepté de nous aider parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer ce vent, mais c'est elle qui s'est portée volontaire et disponible. Je sais pas, ton micro ne ton ta caméra ne marche pas encore, hein? Ça ne marche pas. Ah, malheureusement. C'est pas. Elle est en Afrique, il y a beaucoup de difficultés là-bas. Ah, oh, j'aurais aimé voir la vue. Ouais. Mais on va se reconnecter un autre jour. Quand tu seras libre là, parce qu'avec ce fait là, nous pensons que on fera beaucoup de promotions en Afrique de chez Fed, parce qu'une fois qu'elle maîtrise et qu'on a beaucoup de maîtrise, on pourra en parler avec beaucoup et pour aller, on a déjà parlé avec les Peggy et avec Serge et on ira en parler là-bas. Et on avait déjà parlé avec un ministre qui devait nous introduire au gouvernement en Guinée pour présenter IGOS, comment ils peuvent utiliser ça. Donc, ce sont des marchés qu'on Moi, pourra si je vais chercher. là-bas, je reviens pas, par exemple, hein? Moi, si je vais Hein? en voyage en Afrique, je reviens pas ici. Ah Oui. ouais? Là, nous verrons, tu vas aimer ça, mais c'est beau là-bas. Ah, tellement. Ouais, c'est très beau. Tu vas aimer énormément. Et donc, Moi, j'ai. on est en train de préparer le terrain. J'ai Alors. personnellement, j'ai eu un garçon, mais si j'avais eu une petite fille, elle se serait appelée Mali. Puis mon but, c'était d'aller au Mali avant d'avoir un enfant, avant d'avoir Ah une petite ouais? fille, Oh pour là pouvoir l'appeler là. Mali. Mais j'ai eu un garçon. Il est fin, là, mais. Non, mais tu vas aimer là-bas parce que nous, au Mali, on a un chef-d'œuvre au Mali et on a un chef-d'œuvre au Sénégal, on a un chef-d'œuvre bien sûr en Guinée. En Guinée, c'est chez moi. Donc, elle est Doussouba, elle est dans une ville industrielle de la Guinée qu'on appelle Kamsa. OK. Kamsa, c'est une ville qui est très, très belle et il y a beaucoup d'expatriés là-bas. Il y a une usine. Doussouba, vous avez quelle usine là-bas? La CBG et Voilà, ça fait GAC. quoi? Les bauxites, hein? Oui. Voilà, ils font exploiter la bauxite pour la transformation en aluminium. Parce que la Guinée OK. est le troisième pays du monde pour l'exploitation riche en aluminium sur le sous-sol. Le troisième Ah pays du monde. Oui. Donc, tout ce ouais? qu'on OK. fait, la plupart des avions là, tout ce qui est comme aluminium, la plupart viennent de la Guinée parce que c'est le troisième pays en matière d'aluminium. Ah, je savais pas ça. Ouais, Ah, c'est bon. bien. Oui, la bauxite qu'on extrait là. Qu'on utilise pour faire les engins et tout là. Ouais, pour faire l'aluminium. C'est la Guinée qui est le numéro 3. Bon, mais c'est ça. Moi, si je vais en Afrique, je reviens plus. Trop de choses à voir. Je veux tout voir. En tout cas, c'est beau. OK, à C'est beau part le là-bas. problème. Mais on est disponible. Quand tu vas en On Afrique, tu va vas bien visiter vous partout. accueillir. Tu vas aimer visiter partout parce que on a l'équipe partout, et dans les pays, mais dans les villes aussi. Donc, tu pourras visiter partout et partout où tu iras, tu seras comme une reine. Oui, ça me tente. Mais je viens avec un petit bonhomme parce que mon petit bonhomme, il veut voir l'Afrique aussi. Ah, mais c'est bon. Nous, on préparera le terrain parce que partout où vous voulez voir là, nous, on sera prêts. Parce qu'au Sénégal, on a une équipe forte là-bas, au Mali, en Gambie, même au Libéria. On a des familles chez Fed comme ça un peu partout. Donc, Mais je vais t'en reparler parce que c'est mon prochain voyage. Tu sais, je voyage quand même beaucoup à la base, mais c'est vraiment mon prochain voyage sur la liste, d'aller en Afrique. ah, et puis, Je vais te tenir au courant. on est entièrement au courant parce que nous avons déjà le programme comme ça dans chez Fed pour amener les gens visiter là-bas. Et là, on est déjà loin dans le projet. Donc, ça sera déjà bien. Attends, je vais te montrer un extrait, ce vidéo, des Canadiens qui sont partis avec moi en Afrique. Je vais te montrer ça rapidement. Je vais te OK. partager mon écran YouTube. Et je fais oui, je vais te montrer ça tout à l'heure. Tu vas aimer ça. Ça, c'est une ville qu'on appelle Cancan. Canada. Alors, je vais te partager l'écran. Tu vas voir le coin. Et voilà, c'est ça. Voilà. Donc, dans YouTube ici,
On a déjà, je recherche ici, il y a c'est la ville de Cancan. Je vais chercher ça. Alors, c'était très beau. On a fait, on avait fait un beau, voilà. Tu vois, elle est à chose. Elle est en ce moment-là. Oh, là, là. Est-ce qu'elle est sans une idée? Martine, le réseau est faible. Yeah, I know, everywhere. Tu vois, le réseau est faible, mais c'est elle qui est là. Je vais aller le voir, je vais aller chercher. Bon, va chercher, je t'envoie le lien. Je vais t'envoyer le lien ici. Et voilà. Je vais t'envoyer le lien. Comme ça, tu vas le chercher. Je vais mettre ça dans Isios. Je vais aller regarder ça. Voilà, non, parce que tu vas aimer. Et il y a la connexion. D'accord, on va aller. Je vais mettre la connexion. Voilà, voyage. Voyage. Comment je vais faire? Est-ce que vous voulez parler avec les fonctionnaires ou quelque chose comme ça? Bon, je vais envoyer le lien pour voir ça. Instant. Est-ce que vous voulez parler avec la technique là? Viens, ferme là-bas. Ferme la porte. Voilà. Je travaille à la maison. Ma fille aussi est venue travailler. Donc, je sors au salon. Ah, merci. Tu sors pas mal partout ces temps-ci, hein? Ah ouais. On travaille à la maison maintenant. C'est ce que Peggy m'a dit que vous aussi vous n'allez plus trop au bureau. Non, ben en fait on y va plus du tout. Puis il y a Peggy qui y va exceptionnellement demain parce qu'elle se fait couper son électricité pour toute la journée, mais sinon on est en train de tout vider les bureaux. Ah mais c'est ça. Parce que de toute façon nous on peut travailler à la maison maintenant. En attendant. Moi, ça fait mon affaire parce que j'ai une heure de voiture le matin, une heure de voiture le soir. Fait que... voilà. C'est trop ça, en voiture. Oui. On fait les mêmes travaux à la maison, donc ça ne dérange pas. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller directement. Notre but est qu'on va aller dans Isios. On va partager, comme l'écran est partagé. Voilà les difficultés que nous avons. Et ici, on a la base de données. Et de ce bas, tu es là, hein? Oui, je suis là. Voilà. Nous, quand on se connaît ici, on a eu des champs qu'on voulait faire sortir. Par exemple, je prends le cas de Suba. On va prendre le cas de Suba elle-même. De Suba, voilà, elle est là. Et puis, quand on l'ouvre ici, on a maintenant besoin de champs ici. Et d'abord, il y a des villes. Ici, là, les villes ne sont pas toutes là. Donc, on est limité. On est en train d'inscrire certains. Ils sont, par exemple, au Togo. On inscrivait quelqu'un du Togo. Sierra Leone aussi. Voilà, Sierra Leone, on ne trouvait pas. Donc, j'ai dit que, OK, si on sait comment les ajouter et les sous-champs, parce que c'est sûr qu'on peut lire tout ça, ça prend un peu de temps. Mais vous voulez un rappel, après on va utiliser la documentation, comme ça on a un aperçu. Dès que le document va venir, le support dont il va nous monter. Mais je viens de penser, Dominique, j'ai fait une vidéo pour un client
C'est dans leur base de données, mais ça explique comment ajouter des choix de sélection dans un champ. Donc, tu pourrais aller rajouter les pays. Je pourrais te partager la vidéo. OK, c'est bien ça. Ça va être facile. Il y a quelques vidéos, je vais confirmer avec Peggy, mais je ne pense pas que ça dérange. Ce n'est pas dans votre base de données, mais ça va quand même vous montrer la marche à suivre de comment faire. Non, ça nous aidera beaucoup. Parce que Azure, c'est vraiment riche. Et nous voulons le maîtriser parce que nous voulons vraiment aller le montrer à des gens en Afrique, toutes les fonctionnalités. Le maximum que tu peux nous montrer, ça va nous permettre d'ouvrir beaucoup de champs, comme on a déjà ce projet-là avec le PEGI. Et une fois qu'ils sont attirés, on pourra maintenant faire un programme et tu rentreras officiellement en Afrique encore. Ah oui, officiellement maintenant, c'est pas seulement le tourisme, mais tu viendras maintenant dans les projets comme ça. Et c'est notre grand souhait. Parce que nous allons aller là-bas en novembre pour préparer le terrain. En novembre. Okay. Et arrivé, on va préparer des présentations PowerPoint ISIOS. Et arrivé, je vais convoquer un grand groupe pour les exposer ça. Les ministres, tous les hauts cadres du pays. Et une fois que ça va marcher en Guinée, on va tenter de faire la même chose en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et parce que ça va aider à la gestion. À la gestion, parce que les gens négligent beaucoup la gestion. Et surtout que les gens sont adaptables. Et toutes les possibilités qu'on peut leur montrer, parce que c'est des pays souvent corrompus, mais si on peut mettre un système qui permet au moins de bien gérer les choses, ça va être bien. Alors, l'accès aux champs, tout le monde n'a pas accès, tout ça avec les permissions, c'est vraiment efficace. Ouais. Voilà, donc, je ne sais pas maintenant, tu vas nous montrer directement la vidéo. En fait, je vais vous l'expliquer, mais je vais juste te dire, comment créer un formulaire, donc comment créer une fiche avec les informations que tu as besoin, comme la fiche des ressources humaines. J'ai cette vidéo-là. Oui. J'ai comment créer un champ, donc si tu veux ajouter des nouveaux champs. Ah oui. J'ai ajouté un choix dans un champ de sélection, exactement comme tes pays. Oui. Comment faire une vue. Donc, si tu fermes ta fiche, ta vue, comment la faire. Oui. Puis, modifier un champ qui a déjà été créé une fois que tu as créé le champ. Oui. Fait que je pense que je vais te transférer les vidéos. Oui, oui. Comme ça, tu vas pouvoir les regarder. Oui. Puis, au lieu de te faire un guide, ça va être plus simple. J'explique par-dessus avec... ma voix et toute ma... Oh, c'est intéressant. C'est pourquoi on t'aime. mais je pense que ça va vraiment vous aider si je vous le montre comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense pas que... Je vais quand même valider avec Peggy parce que c'est dans des bases de données d'un client. Mais le client, il n'y a pas d'informations à l'intérieur. Fait que j'ai pris la liste des projets en exemple, mais c'est la même chose avec les ressources humaines. Là. Donc, ça va être facile de vous retrouver. Excellent. En tout cas, confirme avec Peggy. On t'écoute, hein? Oui. Tu es notre bonne conseillère, en tout cas. Mais je pense que ça va être un bon point. Mais si tu veux voir quand même, là, si tu vas en bas à gauche dans Annuler. OK. En bas. Dans la barre grise, là, sans aller dans la fiche. C'est comme si tu voulais fermer. Ah, c'est comme si je vais fermer. OK. Si je vais fermer, je clique ici. Non. C'est en bas à droite, je t'ai dit à gauche, excuse-moi. En bas, dans la bande grise, c'est enregistré ou annulé? OK. Donc, je descends complètement au fond. Annulé, là. Enregistré, annulé. Oui, celui-là. OK. Fait annuler. Annulé, oui. Fait fermer à la même place. Fermé, oui. Puis, pour pouvoir créer des champs, tu dois aller dans configurer, en haut. OK. Au milieu. Dans configurer, oui. Exactement. Donc, c'est ici que tu retrouves, c'est ici que tu crées les champs que tu as besoin. OK. Donc, une fois que je vais ajouter, j'ai créé le champ que je veux. Donc, ici, les champs sont créés pêle-mêle. Après, on va les organiser après. Si tu veux les organiser, là, où c'est écrit titre, c'est tout un Mac, hein? Fait que je pense, moi, c'est, dans un ordinateur normal, c'est un clic droit, mais juste en haut. OK. Okay. Dans la barre grise. Dans la barre grise et en haut ici. Où c'est écrit titre, juste entre ajouter puis dollar mensuel. Oui, il y a ajouter. Il y a ajouter. Oui, tu vois la barre titre? Oui, c'est ça. OK, c'est ça là. Oui, OK. Oui. Fais un clic pour modifier. Je ne sais pas si. Je sais qu'avec un Mac, c'est différent là. Oui, oui.
Ici, on sait qu'il y a type, il y a filtrable, il y a état. Alors, où je vais cliquer pour modifier, par exemple. On vient sur les champs. Il y a chaîne ici. Il y a les champs. Ça, c'est les sortes de champs. Je les ai expliqués dans la vidéo. Fait que tu vas pouvoir savoir quel champ. OK. Maintenant, tu as dit que si maintenant je vais organiser, tu veux que je me mette là-dessus pour positionner? Ou... Juste en haut sur la barre grise. OK. Fais un clic droit sur ta souris. OK. Oh, OK. OK. Là, tu as d'autres options. Tu vois-tu, tu as l'option groupe? Oui, j'ai vu l'option type. Oui, j'ai vu recherche, j'ai vu colonne. Et... Mais va sélectionner le groupe, que là, en ce moment, qui est l'avant-dernier. OK, l'avant-dernier, le groupe est là, oui. Oui. Fait que clique dessus, puis fais le gros œil. OK, je fais comme ça, là. Hein? Donc, en faisant les groupes, là, il va apparaître à droite. Uh-huh. Tu peux créer des groupes de 5 lettres maximum pour pouvoir classer tes champs. OK. Je mets 5, mots. 5 lettres. 5 mots, c'est ça? Non, 5 lettres. Ah, OK. Ah, OK, chaque champ doit être 5 lettres maximum. Dans les groupes, mm-hmm. Tu veux-tu que je te partage mon écran? Ça va-tu être plus simple voilà, si on fait comme okay. ça? OK, vas-y. Je te donne la permission de l'administratrice là, pour que tu puisses partager. Okay. Je vais aller là-dedans. Co-administratrice, OK. Nommé co-administratrice. Voilà. Tu es nommé co-administratrice maintenant. Je vais mettre fin à mon partage. Là, je ne suis pas habituée avec Zoom. Mm-hmm. Partager mon écran, OK? Mon écran 2. Donc, là, tu vois mon chef aide? Oui. OK. Donc, si je vais dans ressources humaines, oui. Puis je vais... j'ai pas la permission de configurer. Il faut que je te donne la permission. Je vais te donner la permission de configurer. Je n'arrive pas à voir la permission. Ah oui, configuration. Bon, j'ai trouvé. Et à défaut, voilà. Donc, je t'ai donné la permission de configuration. OK, on va l'essayer. Tu dois te déconnecter d'abord, non? Oui, j'étais déconnectée. OK, c'est bon. OK, donc quand je vais dans configurer, mm-hmm. Je vais aller rajouter mon groupe. OK. Donc, exemple, si... tu sais, là, ici, là, je vois qu'il y a deux dates. Fait que tu pourrais créer un groupe qui s'appelle date. OK. Une fois que tu vas aller placer tes champs, toutes tes dates vont être regroupées ensemble. Ah, d'accord. Puis c'est ça, tu peux avoir maximum de 5 lettres dans ton groupe. OK. Donc, chaque fois qu'il y a date, tu mets date devant. Chaque fois qu'il y a... OK. Ben, ça dépend comment... Je vais juste te montrer qu'est-ce que ça fait une fois que j'enregistre. Oui. Mm-hmm. Si je vais aller modifier... Mm-hmm. Tu vois, le champ majuscule, c'est le groupe avant l'autre champ. OK. Donc, c'est ce qui fait que c'est séparé en groupe. OK. Fait que ça peut vous aider pour organiser vos champs. Oui, oui. Donc, OK. Et la date, c'est installé avant le champ. Ça me permet de savoir que
Ça, c'est les chants de la même catégorie. Exactement. OK, ça, c'est bien. Ça, c'est là, déjà bien. Je vais aller l'enlever. Oui. Pour ne pas vous mélanger. Mais ça, je le dis dans mon vidéo aussi, fait que ça va vous aider. OK. Donc, dès qu'on sélectionne groupe, automatiquement, la partie groupe apparaît à droite aussi. Oui, quand tu le sais. Mais vu que ce n'est pas un chant, il faut que tu ailles le sélectionner à chaque fois clic dans l'entête. Je vois, oui. Donc, c'est ici pour ajouter un chant. Mm-hmm. Vous faites juste ajouter. Oui. Le titre que vous voulez. Oui, on va mettre un exemple là-bas. Togo. Togo. Parce que le Togo, le chant Togo n'était pas là-bas. Ou bien c'était. Oui. Comme c'est ça? Togo. Non, non. Est-ce que la Guinée, ce n'était pas un chant? Hein? La Guinée n'est pas un chant. La Guinée, c'était. Une ville? C'était les pays qu'on ajoutait, oui. C'était. La Guinée, c'est un pays. On veut les pays et les villes. Donc, où on ajoute le pays? Parce que tu avais acheté, c'est toi qui avais acheté la Guinée. Quand c'était des champs à choix multiples, on choisissait le pays quand on clique là-dessus. C'est toi qui avais fait ça avec moi. Non? Oui, bien, pays d'origine, pays de résidence, c'est lequel de ces pays de résidence, je crois? Ou c'était pays d'origine. Pays d'origine, oui. Oui, pays d'origine, c'est ça qu'on cherchait. Donc, pour pouvoir rajouter. C'est une fois, je vais juste vous montrer, une fois que j'ai mon chant, je fais un clic sur le titre. Oui. Puis ici, on a les éléments, on fait juste ajouter. Là, c'est Togo. Oui, c'était le Togo. T-O-G-O. Oh, T-O-G-O, oui, c'est ça. Puis là, vous pouvez aller mettre la couleur après. Ah, d'accord. Donc, si je comprends, tu as sélectionné pays, c'est ça, hein? Exactement, puis je m'en vais dans le modifier. OK. Puis après ça, si tu sais, vous pouvez le déplacer en le sélectionnant de haut en bas. OK. D'accord. De ce bas, tu suis, hein? Oui, je suis en train de suivre. Voilà. Je pense que les vidéos vont vraiment être la meilleure des options pour vous, là. D'accord. Vous allez pouvoir les écouter tant que vous voulez. Oui, mais ce que tu fais déjà, ça nous ouvre l'esprit. Okay. Et quand on voit la vidéo encore, ça va être beaucoup plus encore. C'est intéressant. Et c'est un chant, voilà. Maintenant, mais comment on appelle ça? Ça, ce n'est pas un chant qu'on a ajouté. Hein? Ça, c'est un chant de type sélection que nous, on avait fait Il y a longtemps. Le pays, c'est un chant de type sélection. Oui. Maintenant, prenons un exemple de quartier. Prenons un chant quartier de type sélection. Quartier. Comme ça, on pourra voir dans une ville les quartiers et on fait l'expérimentation avec. Voilà, il n'est pas créé ce champ-là. Voilà. Comment on va créer ce champ? Donc, on fait ajouter. Oui. Je vais écrire quartier. Voilà. Ensuite, je vais aller changer le type. Oui. Pour sélection. OK, c'est ça. OK. Puis une fois que le type est changé, je peux retourner à l'intérieur pour aller ajouter mes éléments. OK. Cliquons dedans. Juste un. On va compléter le reste. Clique un. Voilà. Il faut taper Matoto. M-A-T-O-T-O. M-A-T-O-T-O. Voilà, c'est bon. Juste ça. Donc, là, je vous le laisse comme ça. Sauf que tu sais, il faut partir la maintenance. Donc, une fois qu'on clique sur OK. Là, il y a le petit plus comme quoi qui n'a pas été créé. Je fais enregistrer. Oui. Puis, bon, là, je ne dois pas avoir la permission, là, mais il y a le bouton qui apparaît pour créer la maintenance qui fait que ça déconnecte tout le monde. OK. Bien, tu dois avoir. Tu es déjà dans configuration, non? Tu devrais avoir Ah oui, tu n'as pas l'option maintenance, c'est ça? Je pense que non, à moins que. Oui. Non, c'est ça, je ne l'ai pas. OK, je vais l'ajouter. Donc, tu sais, Peggy, d'après moi, va pouvoir me répondre. Vous pouvez aller créer des champs pour commencer ce qui vous manque. Oui, on peut aller déjà faire avec ça. Puis, une fois que vous avez une bonne idée des champs, vous pouvez partir la maintenance. Excellent, oui, on va le faire. Déjà, c'est déjà grand ce qui a été fait. Et dis à Peggy maintenant, si elle est OK, tu envoies la vidéo
on suit la vidéo. Si on a d'autres choses, on note maintenant pour te recontacter plus tard. Ben oui, il n'y a pas de problème. On communiquera même dans Easiest maintenant à toi et pour poser nos questions. Je peux te montrer, Dominique, dans la barre d'outils, il y a un nouveau petit... Oh, je ne sais pas si... Parce que maintenant, on a le chat intégré dans Easiest. Là, c'est bien. Pense qu'il n'est pas encore là. Je pense que ça va être dans 2 semaines. Mais c'est ce qu'on va... Parce que ça va dépasser... Parce que nous utilisons beaucoup WhatsApp. Et ça, que ça va marcher maintenant. On va utiliser beaucoup plus Easiest que les autres. Mais tu peux faire des groupes, tu peux faire des chats juste avec une personne. Fait que je pense que ça va t'aider beaucoup, ça. Oui, mais beaucoup, beaucoup. Parce que, tu sais, le nombre de membres de chez FED ne fait qu'augmenter. Hein? Alors, donc, ça va beaucoup nous aider parce que dans chaque pays, il y a des recrutements en Italie, en Afrique là-bas, en France. Chaque jour, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, on aura beaucoup de temps. Et les gens sont commencés à contribuer. Et la contribution, c'est Dusuba qui va les gérer. On a calculé un champ qu'on appelle potentiel humain. On calcule tout ce que les gens ont contribué dedans. Et quand la personne a un problème, c'est là-bas qu'on va regarder pour juger sa valeur. Et cela va déterminer de nos contributions pour soutenir le dossier de la personne selon sa contribution dans la société. OK. Donc, on est en train de faire beaucoup de choses. Mais quand on a des difficultés, on va noter. Et là, après, on va regarder la vidéo si on ne trouve pas dedans. On te recontactera. Mais merci beaucoup, ce que tu as donné. C'est extraordinaire, Annie. Je vais te les mettre dans ChefAid, les vidéos. Excellent. Ça va être fantastique. Je vous enverrai un petit message. Voilà, tu nous envoies à deux à le lien à Dusuba et moi dans le groupe là. Dusuba c'est Lénoir. Parfait. C'est elle qui va faire le suivi de tout maintenant. Comme je suis débordée, et quand elle a des difficultés, elle pourra t'écrire directement aussi. Ben oui, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir répondre. Voilà, Dusuba, tu as compris, hein? Oui, j'ai compris, merci. Annie est à ta disposition. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Annie. C'est gentil. Ça me fait plaisir. En tout cas, on se prépare pour ta visite, là, pour t'accueillir en Guinée. Ah, ça me prend un trajet, puis pour deux personnes. Voilà, deux personnes, pour 7 ans, puis moi. On se prépare aussi, on prépare pour l'autre, là, ton jeune, là, et on va préparer ses amis aussi. C'est parfait. D'accord. C'est parfait. On va être là. On va se préparer. Merci, Annie. OK, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à toi aussi. OK. Au revoir. Bye. Bye. OK, Zuba. Oui. Tu as compris, hein? J'ai vu ce que la baisse. Eh, mon Dieu, la technologie. Je veux te dire que on a beaucoup beaucoup à faire, hein? Alors je vais déconnecter ce qu'elle a fait pour enregistrer ça au moins avant qu'on ne reprenne nos choses. Ok, je vais fermer, après on se reconnecte. C'est pour juste enregistrer ce qu'on vient de faire avec elle et pour ne pas qu'on perde ça. Après on va se reconnecter pour travailler. Ok, d'accord. D'accord, je ferme.